Allez, salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spider-Man. Et donc, on avait très bien terminé le dernier épisode où Jefferson Davis, le flic, nous avait donné un sacré coup de main. On se retrouve maintenant dans une phase de repos, j'imagine, puisqu'on rentre dans notre appartement. Et je trouve que les tags et les peintures de cet appartement, les peintures sur les murs sont vraiment exceptionnelles. Ils sont vraiment très jolies. C'est parti. On rentre à la maison. Ah ben oui, il a changé les serrures. Allez, la porte est vide. Eh oui, il fallait payer les factures, C'est pas Peter. Hein. vrai. Empire Sanitation, Eddie, j'écoute. Oui, bonjour. J'essaie de retrouver plusieurs objets qui ont été collectés par erreur dans la benne qui se trouve en bas de mon appartement. Numéro de la benne? Oui, un instant. Six, quatre, quatre, sept, six. C'est la ligne 33, le camion est déjà parti. Si vos objets sont pas là, on peut rien faire. Non, attendez, s'il vous plaît, c'est très important. Est-ce que vous pouvez Ah. me dire où est le camion? Je regarde ça. Voilà, normalement il devrait être au garage municipal sur Bowery et Grand. Super, merci Ah ben Eddie. on va aller chercher nos ordures dans le camion. Garage Plutôt municipal, nos affaires qui Bowery sont et parties Grand, dans les pas de ordures. problème. Attendez, parce que je vois des appartements éclairés. Est-ce Tant pis si que... je perds tout le reste. Il faut au moins que je retrouve mon speeder Alors disque. attendez, faudrait que j'arrive Ça va pas être si à difficile bien gérer de trouver ça. un Hop, tout petit disque hop, dur hop. dans un camion Voilà. poubelle de 30 tonnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans C'est pas l'appartement? possible. J'ai des années de recherche sur ce disque. Tout mon travail depuis le lycée. Eh oui, ma foi, mais fallait payer le loyer, Peter. Allez, c'est parti. On file récupérer nos affaires dans le camion poubelle qui serait dans son hangar, apparemment. Ah, mais c'est vrai que c'est un véritable plaisir hein, de jouer à ce jeu. Oh là là, mais là, la cinématique qu'on a eue dans la fin de l'épisode précédent, franchement. Oh là là. Allez, ça y est, on est arrivé. On est à 100 mètres. Ok, on va nous certainement nous... Alors, est-ce qu'on voit le camion? Oui, le camion poubelle est là. On va rentrer. Et bien sûr, c'est fermé. Au cas où ben oui, quelqu'un voudrait voler forcément. des déchets. Et on va trouver Mais il y a un peut-être un passage. autre Donc accès. là-bas, je vois qu'il y a une bouche d'aération. Et ici, on peut rentrer par là. C'est pas vraiment une effraction si je casse rien. Si? Ben oui, c'est pas vraiment une effraction si on casse rien, tout à fait. Ok, pas de panique. Ils n'ont peut-être pas encore jeté les ordures. Alors, est-ce qu'il y a mes affaires? Nada. Oh. Ok, là je panique. Ouais, là on panique, là, Empire effectivement. Sanitation, Eddie, j'écoute. Désolé. Est-ce qu'il est possible que le camion ne soit pas au garage? Oui, peut-être. Ça voudrait dire qu'il est quelque part à Chinatown West. Super! J'y vais direct. Ok, allez. On va chercher nos affaires. Le camion serait à Chinatown Hey, Est. ça vaut ce que ça vaut. Mais les gars se prennent parfois une pizza avant de décharger. C'est vrai? Je vais vérifier les pizzerias alors. Vous savez laquelle? Un petit truc indépendant, je crois. Jerry? Non, ça c'est dans le centre. L'adresse originale, je veux dire. Ah, oui. Non, ça commence par un L, je crois. Larry? Larry, c'est dans les sides. Léo? Léo? Ah, ouais, ça se pourrait. Ah, j'adore Léo. Je vous rapporte une pizza. Je vois bien ça. Pas de problème. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Merci, Eddie. Ok, les camions doivent pas être loin. Ok, le camion poubelle serait là. On va scanner. On va fouiller derrière. Non, c'est pas là. Il doit C'est y pas avoir un autre celui-là. camion dans le coin. Est-ce qu'il y a d'autres camions poubelles dans le coin? On va chercher.
Peut-être ici. Est-ce qu'on a un camion poubelle ici dans le coin ? On va chercher. On va chercher. Ah, vous quittez la mission, d'accord. Ils me le disent au moins, c'est sympa. On va chercher, on va faire toutes les rues du cercle. Ah, là-bas, il y a un camion poubelle, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un camion poubelle? Non, je quitte la mission là aussi. Alors, fouillons toutes les rues. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien. Alors ici peut-être. Aucun signe de mes affaires. Oh, mais quelle odeur intéressante. Eddie, on est dans la merde. Mon seul espoir. Pas là non plus. Vous êtes sûr qu'ils étaient ici? Ben les gars, on peut-être changer d'itinéraire à cause du meeting d'Osborne. Si votre collègue était sur la ligne 35, ils doivent être à l'incinérateur maintenant. L'incinérateur? Du côté du pont de Manhattan. Dépêchez-vous. Oh putain, l'incinérateur, ils vont brûler mes affaires. Ils vont brûler mes affaires, c'est con. Oh là là, faut qu'on se dépêche. Heureusement, c'est pas chronométré en même temps. Bande de salopards. Mais qui vous a donné l'autorisation de jeter mes affaires à la poubelle? Voilà l'incinérateur. J'espère que j'arrive à temps. Peut-être qu'il arrive à temps, mais peut-être pas aussi. Oh oh, ça sent les ennuis. Ça sent les ennuis. Oh là, bug. Ok, merde. Il avait une arme de mêlée. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi? Pourquoi il y a des... Il y a des malfrats. Pourquoi il y a des malfrats à l'incinérateur? On va savoir le pourquoi du comment. Vous allez bien? Ouais, merci. Ça fait 2 jours que ce gang sème la terreur dans tout le quartier. Il y en a sûrement d'autres qui vont débarquer. Très bien, je vais ouvrir l'œil. Dites, ça vous dérange si je fouille un peu? Pour des trucs perso? Non, non, allez-y. Je vais remplir un rapport d'incident. Il y a quelque chose ici. Je dois me débarrasser de ces sacs. Faut qu'on fouille nos affaires. Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est ça? Allez, j'ai bien l'impression. Sois ici. Oui. J'espère qu'il marche encore. Oh, on dirait que tout est là. Hé, y a un vieux prototype de gadget. Il est trop cool. Pourquoi je l'ai jamais terminé? Je crois que je peux le faire marcher. Ah ben c'est cool, vous pouvez maintenant fabriquer des bombes de toile. Alors qu'est-ce que ça fait? Quand ils marchent dessus, d'accord, ça les attache tous. Je lance une grenade et ça les attache tous. Ben parfait, on va la fabriquer. Avec plaisir. Et ça, c'est quoi, ça? Il me manque un composant laser. Ça sert à quoi? Alors, je le vois en haut à droite. Tu le lances contre le mur et le mec, il est chopé. D'accord. Oh là là, ça, c'est pas mal, ça. Et il me faut des jetons de crime. Ça y est. Regarde, c'est le type qui se prend pour Spider-Man. Oh non. Tuez-le! Oh putain, ça sent la baston. Alors L1, on va choisir la bombe de toile. Lance-toile, bombe de toile. Ok, bien joué. Ah ouais. Oh, comme je l'ai balancé. «
J'en ai plus, ça marche plus. J'en ai avec deux. Eux, je vais les lancer contre le mur aussi. Oh là là. Allez, on va le finir. Ah, cet uppercut, je me souviens, était même dans Marvel vs. Oh, Capcom 2. Il se passe pas exactement comme prévu. Où est-ce que je vais dormir? Ça va? Vous allez bien, messieurs? Vous êtes tous attachés au camion? Ça va? Sûr? Vous avez besoin de quelque chose? Non? Faites encore une fois les macs avec moi et je vous explose. Allez, c'est parti, on se casse d'ici. On doit se rendre à 1200 mètres. Ok. Comment je vais convaincre MJ de me laisser son canapé? Ah, on Alors, file ouais. chez Mary Jane parce c'est qu'on a plus d'appartement. C'est Peter. Tu crois que je pourrais dormir chez toi ce... Oh non, c'est trop formel. On va voir si c'est possible MJ d'abord. Hey, je passais dans le quartier et... Oh, c'est nul. Il est en train de se faire le film de comment il va lui demander. Hey MJ, puisqu'on se reparle, je me suis dit que... Ouais, ok, là c'est carrément pathétique. Ah, pourquoi j'en fais toute une histoire? On est amis, non? C'est normal de squatter le canapé d'une amie. C'est pas Allez, ça y est, on arrive chez Mary Jane. Le canapé d'MJ. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Est-ce que ça va le faire ou pas? J'ai reçu un message. Va-t-elle accepter? On dirait que l'article d'MJ a été publié. Je trouverai un autre endroit pour dormir. Elle doit avoir du travail. Finalement, elle n'ose pas lui demander. Si seulement Harry était ici, je pourrais aller chez lui. Alors, est-ce qu'il y a... Allez, on a une petite tour pas loin. On a une mission secondaire ici. Faut pas que je l'oublie. Une mission secondaire là. Allez, on va aller faire une petite tour. Quelqu'un on n'a pas le choix. Si on veut avoir toutes les missions secondaires et tous les appels des forces de l'ordre, on est obligé. Oh, je connais cette voix. Ok, on a eu un appel inconnu. C'est parti. Ah, et c'est plus petit que d'habitude. Ah, on y est presque. On est pas mal. Là, on est pas mal. On est pas mal. Super. Mission réussie. Ok, je vois qu'il y a un petit sac pas loin. On va aller le récupérer. Alors, il y a un petit sac pas loin. Juste ici. Véhicule blindé attaqué par des hommes masqués. Incident en cours dans le quartier de Westville. Oh, alors attendez, c'est quoi ça? Ou ce qu'il en reste après avoir affronté Fisk. Beau symbole de ma vie sentimentale. C'est la robe qu'il avait, c'est le, la fleur qu'il avait pris, en, qu'il avait mis en fin d'année. Allez, on va aller faire la petite mission de flic. Ça va nous donner des jetons de criminalité. Vous avez peut-être entendu parler du braquage ou des jetons de crime, comme vous voulez. Allez, ça rigole plus. Oh putain, c'est des démons. Moi, je les aime pas eux. Oh là là, on a fait tous les objectifs d'un coup là. On est chaud. Oh, putain. J'ai pas vu arriver lui. Je dis
Mais il va mourir lui ou quoi? Il est pas mort sans déconner. Ah bah dis donc. On dirait bien que les démons préparent quelque chose d'énorme. Ah, crime démon 1 sur 5. Hein. D'accord. D'accord. Alors les crimes de les démons, en fait en gros, t'as décrit des scènes de crimes comptabilisés dans chaque secteur. Allez. Bah écoutez, on se laisse ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. A plus dans le bus et à bientôt dans le métro.